Bonjour et bienvenue. Comment allez-vous? Comme toujours, on est ici pour apprendre la grammaire française. Vous êtes prêts? On commence? On ne t'invite pas à la fête? Aujourd'hui, on apprend le pronom complément d'objet direct. Regardez ces exemples. Son mari, elle le quitte. Nous parlons à lui, mais il ne nous entend pas bien. Elle perd sa carte où? Elle la perd dans la rue. Je les vois tous les jours dans ce jardin. Vous connaissez les pronoms compléments d'objet direct? Vous savez les utiliser? Les pronoms compléments d'objet direct, COD, les pronoms compléments d'objet direct remplacent des noms de personnes ou d'objets. On utilise ces pronoms avec les verbes sans préposition, dans la construction directe. Il vient entre le sujet et le verbe. Regardez les exemples. Tu comprends cette leçon? Oui, je le comprends. L'eau remplace cette leçon. Son nom? Je ne le sais pas. L'eau remplace son nom. Je ne sais pas son nom. Les pronoms compléments d'objet direct, mot et tout. On emploie le pronom « mot » pour « moi » et le pronom « te » pour « toi ». Regardez ces exemples. Il connaît « toi » ? Oui, il me connaît. Il connaît « moi » ou « il me connaît ». Elle me voit à l'université. Elle voit « moi » à l'université. Elle me voit. Je te présente à mes amis. Je présente « toi » à mes amis. Je te présente. Il écoute « toi » ? Non, il ne m'écoute point. Bon, faites attention, devant une voyelle, mon et to deviennent m' et t'. Bon, il y a d'autres exemples? Mon amour, enfin je te trouve. Mon amour, enfin je trouve toi. Ou on peut dire je te trouve. On ne t'invite pas à la fête? On n'invite pas toi à la fête? On ne t'invite pas. C'est bizarre. Il te répond, mais il ne me répond pas. Pour le jour, on t'oublie? Les pronoms compléments d'objet direct, le, la, les. Le pour les mots masculins singuliers, la pour les mots féminins singuliers et les pour les pluriels. Regardez ces exemples. Je lis ce journal. Ce journal, c'est singulier et masculin. Donc, tu le lis. On le remplace par l'eau. La chambre, il la réserve. La chambre, c'est singulier et féminin, donc on l'utilise là. Il la réserve. Il y a ces chiens devant la maison. Nous les regardons tous les jours. Ces chiens sont pluriels, donc les. Nous les regardons. Son mari, elle le quitte. Son mari est masculin, donc l'eau. Elle le quitte. Bon, faites attention, devant une voyelle, l'o et la deviennent l'apostrophe. Regardez les exemples. J'achète ce sac. Je l'aime. Ce sac doit être remplacé par l'o. Mais le verbe aimer commence par une voyelle. Donc, on utilise l'apostrophe. Je l'aime. Elle écoute une belle chanson. Elle l'écoute tout le temps. Il envoie mes lettres? Oui, il les envoie. On organise la soirée. On l'organise très bien. Bon, pour nous et vous, les pronoms compléments d'objet direct sont nous et vous. Regardez les exemples. Il présente vous à ses parents? Oui, il nous présente à ses parents. Nous parlons à lui, mais il ne nous entend pas bien. Vous voyez moi? Oui, je vous vois. Je vous connais? Oui, vous me connaissez. Bon, maintenant c'est votre tour. Écrivez les phrases avec les pronoms complément d'objet direct.
voilà les réponses. On ouvre la fenêtre. On l'ouvre. Il ferme la porte. Il la ferme. Ma sœur étudie la géographie. Moi aussi, je l'étudie. Elle perd sa carte où? Elle la perd dans la rue. Je mets mes lunettes sur la table. Je les mets sur la table. Il loue cette maison. Il la loue. Elle achète ce vélo rouge. Elle l'achète. Nous prenons le déjeuner chez des amis. Nous le prenons chez des amis. Quand est-ce qu'on écoute la radio? On l'écoute tous les matins. Nous visitons ce château quand? Nous le visitons demain. Il pose des questions au directeur. Il les pose au directeur. Dans son bureau, il cherche les documents. Il les cherche. Tu n'aimes pas la pluie? Tu ne l'aimes pas. Il vend sa voiture à qui? Il le vend à sa voisine. Vous lisez ce roman? Oui, je le lis. Elle attend toi? Oui, elle m'attend à l'aéroport. Bon, c'était ça pour aujourd'hui. Merci de votre attention. J'espère que vous apprenez bien les pronoms compléments d'objets directs. On les utilise beaucoup. Comme toujours, n'hésitez pas à écrire vos avis et vos questions dans les commentaires. Je les attends. Bonne chance. Au revoir.